Salut les amis, bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle ouverture. Donc ce coup-ci, petite Pokébox destinée au culte avec Raichu et une petite Pokéball. Donc voilà, donc j'espère que si vous faites des petits tirages, vous avez la main chanceuse. J'espère que nous aussi nous aurons la main chanceuse. On va débuter avec la petite Pokéball, avec les trois boosters à l'intérieur. C'est parti les amis. Allez, allez. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour faire avancer la chaîne. Ça serait sympa, ça fait plaisir. Ça coûte rien du tout, c'est gratuit. Petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Allez. C'est parti, petit jeton avec le Fenart. Qui est plutôt sympa. Dans un concours, je vous ferai gagner un petit lot avec les jetons parce que je vais en avoir plusieurs. J'en ai encore. J'ai la Super Bowl, je les ai toutes. J'ai les 5 différentes, dont une autre Honor Bowl. Donc au total j'en avais 6. Allez, 3 boosters, Invasion Carnin, Ombre Ardente et un petit Évolution avec le petit Raichu. Allez, c'est parti. C'est parti les amis. Allez, que la chance soit avec nous. C'était lors de la première vidéo, si je dis pas de bêtises, ouais. Bon, je vais y arriver. Lors de la première vidéo, on avait eu une jolie ex dans le booster XY Evolution. Allez, petit code online, les amis, pour vous. On avait une jolie ex, un petit Roucarnage ex. Donc là, j'espère qu'on aura aussi au moins une belle petite carte. Allez, c'est parti les amis. Allez, une énergie feu. Cocomfort. Limaspeed. Excavarène. Je connais même pas ce Pokémon-là. Eoko. Chamallow. Étourmi. Cabriolène. Pikachu. Feufourève en reverse. Et Altaria. En rare. Allez, on passe à Ombre Ardente. J'ai du mal. Hein. J'ai du mal, j'ai du mal. Allez, petit code online, les amis. Allez, petite énergie comme d'habitude. Scobolide. Guzma. Super rappel. Coxie. Tadmorph d'Alola. Elle est pas mal cette carte-là. Riolu. Miaouss. Goupix d'Alola. Je l'aime bien un shiny celui-là. J'aimerais bien l'avoir. Si on pouvait l'avoir. Loup-Garrokh et. J'ai cru que c'était une holographique. Brutapod. C'est une holo ou c'est pas une holo? Non, c'est pas une holo. Mais franchement, l'illustration, elle est super belle. Super belle. J'aime bien. Loup-Garrokh aussi était pas mal. Allez, la dernière fois, on avait eu de la chance dans le booster XY. Évolution. Espérons que ça soit pareil. Sinon, on aura fait chou blanc, les amis. Bon. Au moins une petite holo. Au moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? 45 sur 108, c'est la rare.
Ah ouais, j'ai fait 1, 2, 3, 4, alors que c'était 1, 2, 3. Bon, ben voilà, on s'est spoil direct. Une petite holo, Nidoking. Ben, elle est plutôt sympa. Donc, on va la mettre là. Allez, Spectrum. Doduo. Dimokuni. Chrysacier. Magneti. Salamèche. Otaria. Starry. Et Doduo. Et en reverse, c'était Otaria. Bon, mais voilà, on n'aura eu rien qu'une petite holo. Mais bon, elle est plutôt sympa. Bon, les amis, petite interruption. Parce qu'en triant les cartes, après la fin de la vidéo, je viens de m'apercevoir que cette carte-là, en fait, c'est une secrète 112 sur 108 en rare. Il y a marqué carte non utilisable dans les tournois officiels. Donc voilà, le booster XY. Ouais, c'est bien ça. Il y a eu la petite holo et la petite secrète. Donc, c'est sympa. C'est un beau booster. Mais chaque fois dans les Pokéballs, les XY sont les plus chanceux. Enfin, pour ma part, pour le moment. Allez, on reprend la vidéo. Et maintenant, on va passer à la Pokébox destinée au culte, les amis. Allez, c'est parti. Petit Raichu. Je pense que c'est l'illustration. Enfin, la Pokébox où il y a le moins bon tirage. Je sais pas. Je sais pas exactement, mais j'ai l'impression que c'est la Pokébox où il y a le moins bon tirage. En espérant que ça me fasse mentir. Allez, une illustration de chaque. Allez, on va commencer par le Dracaufeu. Espérons qu'on ait des petites shiny sympathiques. Ça serait pas mal. Allez, petit code online. Eh oui, pour XY, j'ai fait l'imbécile. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Bah, c'est pas grave. Allez, on va mettre celle-là de côté. Parce que c'est pas pareil. Allez, Reptencell. Vaillance de pierre. Canartichaud. Starry. Ramolos. Voltorb. Pikachu. Abo. Et d'entrée, les amis, une petite. Shiny, mais 35, je sais pas si on l'a pas déjà. Et c'est Kirlia, non, on l'a pas. Ben super, 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 c'est parfait. On complète. Oh là là, le booster! Et on a le trio des oiseaux légendaires en rainbow. C'est magnifique. Allez, allez, hop. Eh bien, c'est top. Ça, c'est un beau booster. On commence bien. On commence même très bien. Très très bien. Elle est vraiment super belle. Je l'avais déjà vue lors de pas mal d'ouvertures parce que j'ai regardé bon, cette série. Je me suis spoil pour la SL12. Je vais pas me spoil comme ça, mais celle-là, je me suis spoil de chez Spoil. Mais franchement, en vrai, elle est vraiment magnifique. Allez, petite shiny. C'est notre sixième. Petite shiny. On a deux petites shiny. Six petites shiny pour le moment. Et deux shiny full art. Allez, petit code online. Et pourtant, il y a de la lumière, t'as du mal à faire la mise au point, mon petit. Allez, énergie fée. J'ai tendance à me mettre trop près de l'appareil. Exil de Giovanni, arène d'Argenta de Pierre, piège de Koga, Smogo, Mélofée, Starry, Rondoudou, Abo. Oh, une full art, les amis. Guzman, oh eh ben,
Moi qui disais que Reichu c'est la moins chanceuse, mais pour le moment, deux boosters, trois ultra rares, Guzma et le petit Grolem en rare. Et bien franchement, pour le moment, je pense que c'est la meilleure ouverture de la chaîne. 84 sur 94. Une petite full art dresseur. Ben c'est ben la première full art dresseur. Elle est superbe. Allez. Bon, à mon avis, dans les autres, on va pas. Ça se trouve, il n'y aura rien du tout. Parce que là, ça commence déjà à faire beaucoup pour une Pokébox. Une Rainbow, une petite Shiny et une Full Art. C'est déjà très beau en deux boosters. Allez, l'énergie Chrysacier, Magmar, Arène d'Azuria d'Ondine, Evoli, Abo, Salamèche, Psychokouak, Magikarp. Ah, j'ai cru que ça allait être encore une full art. Piège de Koga et Smogogo en rare. J'ai pas eu encore la Evoli en holographique. Je trouve que c'est la plus belle des holographiques. Je la trouve super jolie. Bon, je pense que dans ce booster, c'est le booster Mewtwo. Je pense. Je sais pas, mais je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. J'espère pas. Parce qu'au vu de ce qu'on a déjà eu. Allez, énergie plante. J'ai la voix qui part en cacahuète. Stratégie de Major Bob. Détermination d'Ondine. Insécateur. Racaillou. Osselet. Evoli. Mélofée. Psychokouak. Allez, une petite shiny. Ah, mais j'en avais pas eu encore. Une petite énergie en reverse. Et ouais, Aquali holographique que nous avons déjà eu deux fois, donc c'est le troisième. Comme je vous disais tout à l'heure, je ferai un petit concours, je ferai un petit live, je pense, un petit live un soir ou un truc comme ça. Et je vous ferai gagner quelques cartes en double, comme par exemple ce petit Aquali holographique, le petit jeton que je vais avoir en plusieurs exemplaires. Et 2-3 cartes de plus, un petit truc comme ça. Donc voilà. Celle-là aussi, je vais le mettre sous pochette. Et voilà les amis. Donc belle petite ouverture quand même. Guzma. Kirlia. Et une Rainbow. Donc c'est pas mal pour une box et petit aquali en holographique, la petite énergie aussi comme ça. C'est pas mal du tout. Donc voilà les amis, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se dit à très vite, sûrement demain ou alors dans 2 jours, je sais pas exactement. Allez, bye l'équipe.